Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et j'enchaîne directement, comme vous pouvez le voir, pour une partie directement. C'est parti. Alors j'ai sélectionné mon deck noir, parce que les missions proposées c'était du deck noir. Donc là, hop, c'est parti, deck noir, pour réussir les missions. J'ai deux missions possibles avec le deck noir, donc on y va. Je suis pas revenu du tout sur les précédentes missions. C'est-à-dire que j'avais, dans la précédente vidéo, j'avais fait pas mal de combats avec un deck blanc. Et après, j'ai laissé un peu filer les missions spécifiques. Mais maintenant, on va repartir pour réussir les missions. Et en même temps, ça va vous permettre de découvrir les cartes. Et puis aussi découvrir les cartes que les adversaires jouent. Donc ça, c'est sympa. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça permet de découvrir les mécaniques éventuelles. Ça commence bien là, je suis coincé, je peux même pas jouer. J'espère au moins piocher un terrain pour pouvoir jouer mes sorts. Et comme ça serait pas mal parce que. Sinon. Pas de blocage. C'est bien, il va piocher. Qui pioche des cartes. Bon. D'accord, je peux toujours pas jouer. Bon.
J'ai encore mon homicide, donc bon. Ah, je vais être obligé là. J'ai rien pu faire là. Cette carte, elle est super forte. Je vais jouer quand même mes sorts pour pouvoir réussir la mission. Pas mal ça de piocher comme ça. Il se retrouve avec pas mal de cartes et puis il peut jouer à chaque fois ce qu'il a envie de jouer. Bon là j'ai perdu hein, mais. Cette carte elle est vraiment trop forte. Il m'a enlevé à chaque fois mes cartes. Allez, on capitule. Ça a rien de jouer plus longtemps. Mon deck est pas assez fort du tout comparé à son deck. Moi, c'est un deck où j'utilise des cartes que j'ai récupérées à droite, à gauche pour pouvoir jouer. En plus, j'ai pas eu la possibilité de piocher les cartes qui m'intéressaient dès le début. Bon, 8 sur 20. Bon, bah, c'est bien, je vais continuer. Combat suivant. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les bonus des missions. Ça, c'est la priorité. Et après, je enchaînerai, je pense, je reprendrai le deck blanc. Deux terrains. Ok. Bon, ok, allez. Oula. Va me faire piocher, mais bon, je suis bien armé, je trouve. Bon, bah on y va.
Est-ce que je vais pas lui enlever un sort là? Je vais lui enlever son truc là. Je sais pas si ça marche. On va voir. J'ai enlevé ça, on va voir. Avec mon noir laissant. Je vois, je vais peut-être jouer mon noir les seins maintenant. On va voir ce que ça va donner. Au moins pour réussir l'émission, il faudrait que je le joue. Bon, il a abandonné. Je sais pas ce qu'il cherchait. S'il cherchait une carte qui aurait pu complètement renverser le combat. Bon. Dommage, j'ai pas réussi à jouer mon noir les seins. Il me faudra un autre combat, à mon avis. En espérant que 3 combats, je réussisse les missions. 14. Hein. Ok, bon, bah allez, je repars pour un autre combat. Effectivement, premier combat, j'ai pas du tout tiré les cartes qui était vraiment intéressante dans mon deck, mais à partir du deuxième combat, là, j'ai eu plus de chance, on va dire. Alors, 2, 2, 3, 3, 4 et 2 terrains, allez, je garde. J'ai très peu, il me semble très peu de terrains dans mon deck, hein, attention. J'en ai une vingtaine, donc peut-être un peu plus.
Donc c'est vrai que c'est, je suis très ric-rac. Mais j'ai beaucoup de cartes qui coûtent pas très cher à jouer en fait. Je vais pouvoir jouer deux sorts en un coup, ça peut être pas mal. Mon nourrir les saints et voilà les deux. Je peux en jouer qu'un. Ou alors l'homicide, je vais voir. Je prends un petit risque, mais comme mon charognard il a lien de vie, je récupère des points de vie, même s'il m'en fait perdre à chaque fois. Donc là, il va sûrement poser une grosse créature. J'ai mon homicide à jouer le prochain tour. Mais je voulais mettre la valeur sauvage pour pouvoir tout de suite gagner un plus un plus un en le touchant. Voilà. C'était important. Ouais, je bloque pas. Ça m'intéresse pas. Alors, par contre, faut que je me méfie au prochain tour quand même. Hein. Voilà, ouh là là. Faut pas que je prenne de risque là. Qu'est-ce que je veux faire? Ouais, tant pis. Je prends pas de risque parce que j'ai peur qu'avec un deck comme il a, s'il rajoute quelque chose qui lui donne plus 3 à toutes ses créatures, je peux me retrouver complètement coincé. Voilà. Et j'aurais plus de points de vie. Pas de blocage. C'est là que c'est chaud en fait. Un petit terrain, ça serait pas de. Voilà. Bon, d'accord. Bon, bah je suis coincé quand même là, hein, c'est embêtant. Ah, j'aurais dû l'attaquer avec lui aussi, bon, c'est pas grave. On va prendre deux risques. Bon, mon avaleur sauvage, il a 4-4, donc ça m'intéresse. Oula, d'accord, ok.
Là, ça va devenir compliqué là. Heureusement, j'ai mon Ourlet5 qui va venir au bon moment, je crois. Non, je le laisse m'attaquer parce que je sens qu'il va mettre un truc. Ça sert à rien. Voilà, allez, mon Ourlet5 contre la fournaise des monts étoilés. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Hein, on va voir. Allez, on y va. À l'assaut! Et c'est une victoire! Une nouvelle victoire. Oh, finalement, mon deck noir est plutôt pas trop mal. Hop. Alors, est-ce que je réussis l'émission? Voilà, c'était ce que je voulais. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Je vais peut-être reprendre. Hop, mon deck blanc. Oh, ça a planté. Ouh, c'était déjà arrivé dans une précédente vidéo, ça. Alors, je vais relancer le jeu. C'est dommage, oh bah, le bug est de retour. Ah, c'est depuis qu'ils ont fait la mise à jour, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des bugs comme ça, donc c'est pas top, hein. C'est-à-dire qu'au moment de sélectionner le deck. Allez. Hop, je peux pas. Je peux pas, ça plante. C'est un truc de fou, ça me sort du jeu, carrément. Il va falloir quand même qu'il remédie à ça, parce que c'est pas terrible, hein. Je voulais rebondir le deck blanc avec les anges, qui était plutôt sympa à jouer. Bon, bah, je vais peut-être qu'enchaîner avec un deck noir, tout simplement, dans cette vidéo. Puis j'essaierai en off de pouvoir rechanger, parce que c'est dommage. En standard, alchimie historique avec historique. C'est parti. J'ai pas osé rechanger de deck, ce qui est dommage, j'avais envie de jouer un peu avec le deck blanc, bon, c'est dommage. J'avais pas fait d'historique, donc effectivement les deux combats précédents gagnés, ça m'a pas rapporté de points. Alors j'en ai deux, oh, c'est pas mal. Ok. C'est pas grave, de toute façon. Hop, alors. Allez, on va pas attendre. Encore? Ah, il peut en mettre deux, dis donc.
pas mal son truc, hein. Voilà, ça c'est une carte. Pour 4, détruisez toutes les créatures. Pff, elle est super forte, hein, quand même, hein. Super super forte. Elle coûte que 4. C'est dommage parce qu'il avait lien de vie, mon charognard, et il me l'a enlevé. Il m'a enlevé mes deux charognards qui avaient lien de vie. Alors, comme il me fait perdre des points de vie. Bon, par contre, il a joué toutes ces cartes là. Bon, bon, bon. Moi, j'ai pas le choix, il faut que je lui enlève ça. Sinon, je vais pas m'en sortir. Après, j'ai lui qui est pas mal aussi. Donc, un petit terrain. Ouh là là, ouh là là! Boum, boum, boum! Alors là, il m'a explosé. Magnifique. Magnifique ce qu'il a fait. Franchement, c'est super fort. Il m'a explosé. C'est quasiment perdu, hein. Bon, c'est même pas la peine de continuer, concéder, ça sert à rien. C'est perdu. Il m'a mis toutes ses créatures en même temps, c'est très très fort sa combinaison. Allez, je repars pour un autre combat. Alors j'enchaîne un maximum de combats, parce que comme ça permet de découvrir les jeux des adversaires, et ça permet aussi bah, de découvrir des combinaisons, des super cartes. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. J'ai toujours deux terrains. Bon, j'ai de quoi jouer. Allez, hop. C'est pas une carte blanche d'Axos, une carte comme ça, qui avait le même style. Ouais, deux en même temps? Oh! Bah elle a un coup de 4 quand même, cette carte. Oh, bah ouais, mais grâce à la dévotion au noir... super, bon, bah...
Impressionnant. Impressionnant sa combinaison de pouvoir jouer deux sorts en même temps, dont un qui a un coût de 4 à la base, mais il coûte X de moins à lancer, X étant votre dévotion au noir. Donc c'est vraiment pas mal. Puis déjà, fallait qu'il les ait dans sa main aussi. Donc c'est oh, super, super intéressant ces combinaisons. Ah, je peux rien faire du tout, c'est un truc de fou. Je suis coincé. Ah, je peux pas jouer, j'ai que deux terrains et je pioche pas de troisième terrain. Sinon, genre un terrain, je peux mettre cette carte. On va voir au prochain tour. C'est encore possible, hein. Ah ouais, bah là ça doit devenir injouable, ou alors je mets lui qui a contact mortel, mais ouais, ça devait devenir injouable. Si je tire pas un terrain là, j'ai perdu la partie. Ah bah heureusement, parce que sinon. Eh ben, dites donc, les amis, c'est chaud patate. Il va me remettre les mêmes trucs de toute façon. Eh ben. Voilà, bah j'ai perdu. Bah, des belles combinaisons, lui, il avait. J'ai pas pu jouer du tout. Bon, super. Alors ces cartes-là, c'est à repérer parce que la combinaison qu'elles avaient, elles sont top, ces cartes-là ensemble, hein. C'est très très agressif et efficace en même temps. Cette dévotion au noir est vraiment très intéressante. Un terrain, bon, mulligan. Deux terrains, ok. Ah, c'est pas ma partie, hein. Bibliothèque. Oula. Ouais, on va mettre ça. Voilà.
C'est chaud patate là. Voilà, ça change rien du tout là. Bon, t'as perdu, bon. Il a joué toutes ses cartes, hein, jusqu'au bout de ses cartes, mais sans plus. Bon, bah c'est encore une victoire, mine de rien finalement. En faisant des parties comme ça, olé olé, j'arrive quand même à faire quelques petites victoires. La troisième victoire, donc c'est plutôt sympa. Allez, je vais enchaîner sur un autre combat. Les événements, qu'est-ce qu'il y a dans les événements? À chaque fois j'ai peur carrément de me faire jeter du jeu, tellement il y a des bugs. Et la nouveauté, donc je suis en standard, historique. Si je prends historique et que je reprends tueur et jouer, j'ai l'impression qu'il compte pas les points. Alors je sais pas, bon, c'est assez bizarre aujourd'hui. Dans cette vidéo, c'est assez étrange. Allez, c'est reparti, je vais repartir pour un autre combat. En même temps, ça permet de découvrir des jeux, des adversaires, ça permet de... Ouh là là, ouh là là, j'ai qu'un terrain. Là, c'est chaud patate, là, je fais mulligan. C'est dommage, les cartes sont sympas. J'ai plein de cartes super sympas, mais je peux pas jouer. Là, si je pouvais espérer piocher les terrains et garder ce jeu, c'est pas mal du tout, hein. Allez, mulligan. Là, j'en ai deux. Là, les cartes sont moins du tout moins intéressantes. Oh là là. Alors, on va mettre celle-là. C'est moins intéressant à jouer, vraiment. Et là, je peux pas quasiment pas jouer. Bon, ah. Bon, bah, j'ai pioché un adversaire souillé, heureusement. Je vais pas faire de blocage parce que je sens qu'il a prévu un truc. Donc ça m'intéresse pas. Là, c'est pas pareil. Voilà, ça c'est pas pareil du tout. Oh, il a déjà 4 terrains, bah oui, parce que moi j'ai pas pu en poser un troisième. Chaud, chaud, chaud hein, quand même. Hein.
encore un truc qui met 4-4. Ah ouais, quand même. Oh, chaud, chaud patate. Ah, j'aurais pas pu jouer ça. Bon, bah tant pis. Tant pis, bien joué. Ah oui, quand même. Oh là, lui, il est embêtant parce que là, je peux pas jouer. Peut pas quand même mettre des trucs à tous les tours. Quand même. Je pense que là, ça va l'embêter un petit peu. Je vais bloquer que lui. Bon. Ok. Alors là, faut que je joue quand même beaucoup plus fin. On va déjà enlever celle-là. Et on va mettre celle-là. Ouais, on en met beaucoup là. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai pris un risque là, mais parce que 10 points de vie ça me suffira pas. 7, 8, ça me suffira pas pour s'il me pose quelque chose de gros ou qu'il multiplie ses points d'attaque, ça va être chaud patate. Donc là, je vais attendre de voir. Je prends un risque là, mais moi le risque c'est juste pour arrêter de perdre des points de vie. D'accord. Alors, bon déjà, voilà, je vais bloquer lui et puis on va arrêter. Voilà. Ouf, bon. On va enlever lui déjà. Bon, il a abandonné. Oh, bah non, faut pas partir. Oh zut. Il est vexé parce qu'il m'a pas. Il a mal joué là sur ce coup-là. Il s'est empressé d'essayer de me battre. Et il a abandonné, c'est pas top. Bon, ça me fait une quatrième victoire pour la soirée. C'est plutôt pas mal. En plus, je vais récupérer un booster, récupérer une récompense. Qu'est-ce que j'ai dans les boosters maintenant? Je vais aller voir. J'ai trois boosters Innistrad Noce Écarlate. Bah, allez, je vais ouvrir les boosters, on va aller voir ce qu'il y a. Un joker, ça c'est pas mal. Tisseuse de fleurs, loup-garou fleuri. Ah! Jusqu'à la fin du tour, une créature cible acquiert. Quand cette créature meurt, on va aller sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire avec sur elle un marqueur 1.
Fantassin du Drogskoll. Ok. Tueuse de vampires. Charognard du Diergraph. Il a contact mortel. À nouveau, qui a contact mortel. Oui, je crois que je l'avais déjà repéré, lui. Ok. Elle coûte que 3. Endosseur mortel, quand même, elle se transforme. Envoyez sur champ de bataille, engagez toutes les cartes de terrain depuis vos cimetières. Bon. Allez, un autre booster. Avec le rejet lunaire, diplopode du Molgraph, toit de l'envoûteuse. Ouais. Armure de ronce, frappe du loup. Volonté inflexible, tronçonneuse à piquant. Horreur briscoque. Ouf, elle est monstrueuse cette carte. Ok, allez, dernier booster. Ah, je récupère un autre joker. Et voilà, super. J'ai gagné. Alors, ça, c'est pas mal du tout. En plus, j'ai 14 000 pièces, j'ai vu. Donc, malveillance, immortel, convive belligérante. Donc, ça veut dire que je pourrais récupérer 14 boosters de la prochaine édition. Ok, et la carte rare. Oh, c'est un terrain! Col du crépuscule! Ok, bon, bah voilà, c'était. Bon, c'était une petite soirée plutôt agréable parce que bon, j'ai réussi quand même à faire quelques victoires avec mon deck noir. Bon, il y a toujours le bug dans le jeu, les amis. Alors, ça, c'est pas cool. Ce bug, à chaque fois que je changeais de deck, bam, ça me déconnecte du jeu. Je l'ai eu encore 2 fois aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas top. J'essaierai de changer de deck et pour la prochaine vidéo, retourner à un deck blanc. Enfin, après, ça dépend des missions. Je vais voir, je vais voir. Ça sera la surprise. Bon, bah écoutez, voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.